tard, c'était un... Il avait un petit souvenir, ouais, c'est pas un petit souvenir. Ah, ouais, pour ça, marché. Voilà. Le but à marché, c'est quoi? C'est américain. C'est petit américain, voilà. Moi, vraiment, c'est par rapport à la... Sur des pièces comme ça, on va dire... Pour l'instant, on ne travaille pas. Ouais. C'est pareil, Kirini, c'est un fils qui travaille en famille avec sa femme. Ouais, je sais, ouais, son fils. Donc c'est sûr que sa femme, Francine, elle, c'est un peu son garde-pied, quoi. Elle prend les pièces. Elle ouais, c'est ça, ouais. Et c'est une autre femme, hein, c'est celle qui mène à part. Ah, voilà. Elle fait le tour des galeries, etc. Donc je dis, c'est tout. Ça, je suis bien réparti, quoi. Mais ça a tourné, ouais. On a ça comme problème, c'est assez fragile. Alors, il y a des camions qui sont timides, ouais. Ils ne peuvent pas envoyer, rechercher des pièces, des choses. Ou presque toutes les voitures qui sont dans la voiture, c'est pas rien avec. Voilà, c'est ça, ouais. On cherche quelque chose. Moi, je bosse en galerie, donc je suis à Gribos, je suis en galerie. Je suis en beaucoup de galeries d'hiver. Un jour, c'est peut-être plus assez maintenant. On va louer l'atelier un ou deux jours. Mais en même temps, la semaine entière, ce serait trop dur. Ouais. Pour le moment, mais ouais. Ça, c'est en train d'évoluer très vite. Quoi. Moi, j'ai de la chance, c'est que justement, on a pu m'aider, que ce soit Novaro ou Zoro, dans les premières années, ils m'ont vraiment apporté tout ce qu'il fallait pour que je puisse faire ce que je veux et j'y arrive. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils ont fait un article sur. Il y a un journal qui s'appelle Atelier d'Art de France, là, c'est l'association qui regroupe. Et ils ont fait un sujet comme ça sur. Non, c'est même dans la revue de la céramique, ouais. Sur avoir un atelier. Quoi. Parce qu'il y a plein de jeunes qui se sont installés pour pouvoir créer réellement ce qu'ils voulaient faire.
ils ont été obligés de faire de la semi-utilitaire à côté pour payer le four. Et d'année en année, comme en plus on n'est pas dans une conjoncture très bonne, et ben ils se sont retrouvés à courir après, à faire pour payer le gaz quoi, et à fournir créer quoi. Donc, il y en a plein qui ont fermé en disant... Ouais, c'est chargé de prix. Voilà, mais le problème c'est qu'on ne consomme pas à lui et à lui, on n'est pas le soir. Voilà, donc après, si on veut garder une ligne et arriver à être créatif, on est obligé d'être un peu indépendant financièrement. Et pour être indépendant, quelque part, enfin tu vois, actuellement il y a deux solutions, c'est soit louer de temps en temps, soit prendre, c'est ce qui commence à se faire avec les jeunes derrière, prendre des ateliers en commun. C'est-à-dire à deux ou trois, partager le temps. En plus on partage ça même sa manœuvre, parce qu'un coup on est l'apprenti là, l'autre là. Vous bon, assistez mutuellement. Ça nécessite une bonne entente. D'affiner le verre. On reste toujours à la même température, on en fond, on retravaille. On bouge pas. On est un peu plus bas, on doit être à 1000 degrés. Après, c'est parce qu'elle a une grosse production quand même, un gros four. Maintenant, on peut avoir les petits fours. Et l'investissement matériel, tout ça, à mon avis, pour être bien équipé correctement. Après, on peut démarrer avec 50 000 francs, mais si on veut avoir pour travailler à chaud et à froid, avoir une sableuse, une scie à couper, etc., avoir un bon four, un archer électrique, ça peut vite chiffrer à 200 250 000 francs. C'est pas énorme non plus, je veux dire. C'est pas trop l'investissement au départ, c'est surtout en fait les frais fixes qui sont en cours. Parce que trouver 200 000 francs, c'est faisable. Le problème c'est que c'est ça, hein. Bon, ça c'est un four qui est un peu important en taille. Hein. Quand on commence, on n'a pas besoin d'être comme ça. Donc, pour vous donner une idée, ça consomme à peu près, avec la montée du gaz en plus en permanence. C'est un truc, ça coûte je sais pas, 10 000 francs à peu près par mois. Que celui-là. Et celui-là, il reste allumé ou pas? Donc surtout quand on a une petite structure, qu'on est seul, il y a des moments où pendant deux semaines, il faut aller démarcher, il faut prendre ses pièces pour partir. Bon bah lui, lui il coûte les deux semaines, il va coûter 5 000 balles, hein, il n'a rien fait quoi. Il faut avoir des photos nickel, il faut avoir... Oui, mais ça, tu avais 600, je sais pas, pour les payer, les photos, le Facebook. Et après, les galeries plus traditionnelles, moi, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai pu dire, me présenter au Novaro, il passe un coup de fil avant, ce qu'il fait, c'est bien, je peux recevoir. Alors, les gens, de suite, bon, après, ils aiment pas, ils disent, bah non, au moins, ils écoutent, quoi. C'est contact. Voilà, c'est pas évident.